Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Planète Crafter. La planète commence vraiment à changer. Là on a des arbres qui commencent à pousser. Là je suis dans la phase où c'est la phase arbre en fait. Dans les 5-10% je crois. Donc c'est pour ça qu'on voit des arbres qui commencent à émerger à droite à gauche. Il y a ça aussi à l'intérieur, là je ne suis pas encore allé voir. Je vais m'empresser d'aller voir ça. Et j'ai aussi ajouté foreuse T2. Là, voilà, là je te ça vraiment. Là ça farme beaucoup plus l'iridium. Vraiment parfait. Du titane ici, on n'a pas... Ouais, il n'y a pas de titane. Hein. Je vais prendre ça. Bon, je reviendrai après le chercher. Je vais voir ce qui se trame là-haut, là. Là j'ai vu qu'on pouvait y monter. Ah bah. De la zéolite. Crapé. Zéolite, ok. Oh. Oh. Ok. Des petites plantes qui poussent là comme ça, d'accord. Oh, un coffre. Oh, bien, deux. Intéressant ce coffre. Très, très intéressant. Ok. De la zéolite, quoi. C'est le qui pousse ici, bah qui pousse, je sais pas, on peut dire ça pousse, ça sort de terre ici. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est très beau, hein. C'est vraiment très joli. J'aime bien l'effet de lumière, c'est vraiment bien fait. Hein. Alors du coup, bah je suis chargé comme pas possible et je peux pas prendre que j'étais venu chercher, mais bon, j'ai deux moteurs et ça c'est ce qui m'intéressait pour faire le je vais faire le jetpack parce que je me suis pas encore fait le jetpack donc je vais mettre ça ici. Bon, je vais garder le titane parce que le titane j'en ai vraiment pas beaucoup à ma base. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui s'est débloqué? Ah oui, les réacteurs. Les réacteurs pour produire l'électricité au niveau au-dessus. Je crois aussi un élément pour... oh là-bas, il y a des... Tout en haut, il y a des choses là-bas, je vois, là. Je crois que j'essaie d'y aller, là-haut. Que j'ai pas été encore vraiment explorer toute cette zone là, faudrait que je le fasse. Hein. Je me rappelle lors de mes premiers tests sur le jeu qu'il y avait un vaisseau en plein milieu. Alors, je vais remettre ça. Ici et donc je peux faire le jetpack niveau 1. Oh, ça va me changer la vie. Jetpack niveau 1. Qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre? J'ai remis des satellites, des fusées, bah, du moins. Donc ouais, les satellites hein. En orbite, satellite GPS, ça je sais plus si je l'avais fait. J'avais pas lu le message qui m'avait été envoyé là. J'ai effectué une analyse approfondie de la planète et quelque chose ne tourne pas rond. Je capte d'étranges signatures géologiques et des données topographiques incohérentes à proximité de l'endroit où tu te trouves. Essaie de te rendre aux coordonnées suivantes. 248, 42, 93, utilise le coin inférieur gauche de ton interface pour te repérer. D'accord.
Il dit quoi le 248 42 93? Faut que je le note. 248. Et je le note vraiment sur un post-it. Que je relise ce qu'il me dit. Mémoire de poisson rouge. 148 42 93. Voilà. C'est noté. J'irai voir ça. J'irai voir ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui avait été débloqué? Donc ça, le générateur fusion, ce que je disais précédemment. Ça, le filtre à air. Donc ça, je pourrais le faire aussi. Le filtre à air. Le filtre à air. Ah bah non, ça se fait dans... Se fait là, donc il me faut granulés bioplastiques, tissu, super alliage. Granulés bioplastiques, je dois en avoir. J'en avais quelques-uns théoriquement, voilà. Là, ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me demandait d'autre? Super alliage et des cartouches de gaz. Voilà. Alors, est-ce que les cartouches de gaz, est-ce que je l'avais déjà montré, bah, fait lors de... je ne sais plus. En tout cas, ils sont là, quoi. C'est là, ici. J'aurais pu... voilà. Les cartouches de gaz sont ici. Enfin, c'est plein déjà. Ça va vite à remplir. Alors, je peux accéder directement ici. Ah, change ça. Ah bah j'en prends une. Voilà, les cartouches de gaz. Je vais reprendre après là, parce que là j'ai un problème au niveau des FPS sur le jeu, parce que là j'ai l'impression que bon, bah, que ça il manque des images et c'est pas très agréable à jouer quoi. Donc à tout de suite ça. Mais revoici, alors j'espère que ça va aller mieux. Alors, donc il me fallait un super alliage. Ça aussi, super alliage, il va falloir que j'en fasse vraiment beaucoup. Voilà, filtre à air. Voilà, ça consommait moins d'oxygène, donc ça va être top. Ça va être le bonheur. Oh, auto-crafter. Oh, alors ça c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie, parce que ça va me permettre de faire des choses automatiques. Fabriquer automatiquement la recette choisie. Les ingrédients se trouvent à portée, soit dans des contenants, soit directement dans le monde. Ah oui. Soit directement dans le monde. Ah ça, d'accord, je ne savais pas où. Ok. Ça, c'est vraiment bien. Alors, il faut que je fasse pour ceci une barre de super alliage. Ce que je vais m'empresser de faire. Bon, la zéolite, je vais la mettre là avec ça en attendant. Barre d'uranium ici. Là, les engrais divers et variés. Ça, je mets ça ici. Les graines. Voilà, les engrais, je vais ranger ça tout de suite en haut. Voilà. Ça, c'est pas encore poussé. Donc, alors, il me faut... Je vais prendre deux titanes. Je crois que je peux en faire trois. Hein. Si j'ai tout ce qu'il faut, je peux faire trois d'affilée, il me semble. Silicium, 3. Magnésium. Là, le fer, j'en ai 3. Oula, je... Voilà. C'est ok.
de masse. 6. Il va m'en manquer. Il va m'en manquer encore 2. Je vais pas pouvoir faire parce que je n'ai pas assez de fer. Je vais aller sur ma machine au milieu. Ma machine 2. Ma machine. Ma. Mon extracteur ici. Voilà, qui m'extrait un petit peu de fer. Donc c'est pas mal. Et je vais pouvoir me faire ça. Donc là, 3 silicium. Je vais ranger un peu de cobalt. Voilà. Est-ce que je peux en faire 4 par 4, 4, 3, est-ce que c'est possible ça quand l'inventaire est presque vide? 4, bon j'ai 4 fer et là il me faut, ah bah oui mais là forcément je vais pas avoir 4 talus, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Le titane de 3, ça rien puisque je peux faire que 2. Voilà, c'est ce qui me manquait. Je mets ça là. Magnésium, silicium. Et le cobalt à sa place. Je prends tout ça. Il me faut de l'osmium, il me semble. Deux osmium et ma barre. Ah oui, un aluminium. Que je n'ai plus, qu'il faut que j'aille chercher. Super. Voilà. Donc, il va falloir que je pose aussi une foreuse T2 ici. Pour récolter un peu plus d'aluminium. Ouais, j'ai agrandi un petit peu ici. Hein, parce que là, je vais faire... que je vais faire une zone où je vais fabriquer des super alliages comme si je récupère vraiment de tout ici hein, me semble. Ouais, quoique on récupère pas mal de titane, on récupère du titane un petit peu, ouais. Titane, ok. Bref, c'est pas non plus folichon. Bon, je vais faire ça. Faire l'auto-crafter. Et je vais voir ce que où je vais le poser déjà. Comment je vais mettre en place. Crafter ce que je veux. Alors ça tombe, je vais le faire au-dessus. Ce qui me reste encore des super légers, il m'en reste. Il va plus m'en rester du coup après ça. L'auto-crafter, une barre de super alliage. Et voilà, là je vais pouvoir faire ça. pour faire une pièce. Grande pièce comme ceci, il me faut 2 super alliages. Et puis après, il me faudra plein de magnésium aussi. Il va me manquer quoi. Donc là, je suis comment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire 2 super alliages là. Voilà. Là, par contre, il va me manquer un titane. C'est dommage ça. Ah bah non. Bon, reste un. Donc c'est cool. Pour faire un escalier comme ça, il me faut un fer, un cobalt. Un fer. Là, vous participez en live à la. Ah, en live, entre guillemets, hein. Bien sûr, à la construction de ma pièce où je vais crafter des choses automatiquement. Alors, je pense que je vais mettre ça ici. Je suis pas.
Ici ou ici, ça passe là? Non, ça passe pas. Quel dommage. Quel dommage, ça passe pas là. Je peux le mettre là comme ça. Oui, je peux. Là, j'aimerais bien en fait pouvoir poser cette pièce là. Comme ceci. Voilà. Donc là. Voilà, et là je vais mettre mon autocrafter. Ça consomme combien d'ailleurs l'autocrafter? 155. J'espère que je vais avoir assez. Pour lui, je vais le mettre ici. Je pense que ça va pas être le seul. Donc lui, il va me faire. Alors, tu vas me fabriquer ceci. Est-ce qu'il y a déjà suffisamment là? Je sais pas si c'est une bonne idée en même temps, hein, parce que là il va me prendre toutes les ressources pour faire ça. Donc j'ai pas grand-chose là. Hein. Faire que je réalimente cobalt. Titane, ouais, il n'y a plus de titane, voilà. Donc il va falloir que je ralimente tout ça. Parce que là, il pourra pas fabriquer. Ça, j'ai ce qu'il faut. Oui, est-ce que. Voilà, c'est poussé tout ça. Hop, je reprends. Et je vais aller chercher des minerais. Par contre, ce qu'il me faut pour nous refaire une foreuse T2, bah c'est. Ouais, une barre de super alliage, deux barres de tiridium. Okay. Bon, bah, je vais refaire le plein de mes coffres. Et puis, bah, je vous montre la suite après. Alors, j'ai refait le plein de quelques coffres à ma base. Bon, ici c'est plein, donc faut que je fasse des allers-retours. Oui, il manque que l'aluminium, mais bon, c'est vraiment plein. Là, donc ici j'ai deux foreuses maintenant ici. Pour l'iridium. Et là je vais. Côté de la zone de soufre. Moi bon, j'ai pas encore posé, faut que je pose ouais, une foreuse T2 ici. Une autre foreuse et ici bon là j'ai maintenant deux foreuses que je viens de poser là hein, donc pas grand chose par contre ici y a pas mal de choses donne-moi ton osmium je vais refaire une foreuse que je viendrai reposer ici une ou deux. Après, j'ai pendant que je remplissais mes coffres, il y a un nouveau plan qui s'est débloqué. Je vais vous montrer ça. Je pense que je vais le faire. Je vais peut-être même refaire une pièce dédiée à ça. Peut-être faire ça juste au-dessus de mon biolab. Voilà, ça change, hein. Ça change beaucoup. Des fleurs partout là, sur les semeurs de graines T2, on peut mettre une fleur à l'intérieur de notre choix. Donc ça met des fleurs autour, hein. Donc c'est sympa. L'osmium. L'osmium, le cobalt. Le cobalt, j'en ai pas. Faudra que je ramène du cobalt de la zone des foreuses. Bon, l'aluminium, ça s'est rempli hein, pas mal. J'ai
Mon autocrafter pour super alliage d'ailleurs il manque quoi là? En quoi pour qui ne veut pas crafter cobalt magnésium. Ah, il manque du magnésium, ok. Il manque du magnésium. Bon, 2, 4, 6. Et là, 3, 6, ouais, faut, 3. Je peux refaire une barre là. Voilà. L'uranium en reste encore un peu. Le sac à dos T5, je suis en sac à dos combien moi déjà là? T4, moi je pourrais le faire ça après bientôt. Bon c'est super alliage, bon c'est pas grand chose, mais je pourrais le faire. Hein. On va faire ça pour mes petites explorations futures. Donc là, j'en suis à 60% là, pratiquement au niveau des insectes. Et ce que j'ai débloqué, c'est ceci, l'incubateur. Qui va servir bah, pour les des insectes. Je pense que je vais le poser au-dessus. Bah, quoi qu'au-dessus, j'ai ça. Je pourrais le mettre là, peut-être. Est-ce que j'ai de l'engrais? Ouais, j'ai un engrais comme ça. Je vais le poser, tiens. Super alliage, bouteille d'oxygène. Alors, super alliage. Un super alliage, bouteille d'oxygène, je dois en avoir une. M'a été donné par le par les extracteurs de gaz. Alors tout début. Quoi d'autre? Et puis une écorce. Une écorce, je vais aller chercher directement ça à la source. Ah. Je vais poser le reste ici. Bah non, j'ai dit que je montais. Donc voilà, je vais le poser ici peut-être. Dans un premier temps, puis je verrai si je fais une autre pièce. Alors, qu'est-ce qu'il faut analyser? D'accord. D'accord, donc il faut séquence génétique. Ok. Donc là, il faut analyser des vers. Excusez-moi, petite phase d'éternuement. Donc ça c'est bon, c'est posé, donc faut que j'attende d'avoir les petits insectes qui spawnent ici. Donc là, ça devrait encore une quarantaine de pourcents. Hein. Ça devrait être bon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Le filtre à eau. Ah, ça, c'est pas mal aussi. C'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Mais là, il va falloir que je continue à farmer. Les ressources en ramener ici. Surtout bah, l'iridium, hein. Faut que je remette pas mal d'iridium. Pas le cobalt. Dans le soufre là, c'est le magnésium. Voilà. Voilà, ça va être automatiquement pris par la machine, je pense. Ouais, voilà. Direct, c'est aspiré. Le silicium, ici. Je vais aller voir. Foreuse alu. Oh, c'est pareil, le foreuse à alu, il y en a deux. Des extracteurs, plutôt.
Ça marche plutôt pas mal, hein. Extracteur. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, ici, ça commence à se remplir aussi, hein. D'ailleurs, j'ai plein de césium là. Prendre le magnésium. Tout ça là-bas, comme ça il y a quelques super alliages qui vont se créer. Je pense qu'après je ferai la même chose avec l'iridium, comme ça j'aurai toujours à peu près 8 barres d'iridium disponibles dans un premier temps. Parce qu'après je pense que. Oups. Après je pense que j'aurai besoin aussi de morceaux d'iridium de temps en temps. Mais voilà quoi dans les grandes lignes là où j'en suis actuellement dans ma terraformation de planète. Ça avance tout doucement. J'aime bien regarder souvent ce panneau-là. Donc là, ouais, bah, il faut que les insectes arrivent, mais par contre, il faut que je puisse. J'ai vu que dans ça, j'ai le semoir d'arbre. Semoir d'arbre T2. Mais il n'y a pas de T1. J'ai pas vu de T1. C'est de l'air, bon ça c'est le semoir, ok. Pas de T1 de semoir là. J'ai l'impression de louper quelque chose là. Semoir d'arbre T2 qui lui va arriver à 6 ppm. 6 ppm et ça avance vite l'oxygène là ou pas? Oui, il faut que je rebooste un peu l'oxygène. Ouais, c'est pas encore flagrant. Ou alors faudrait peut-être que je lance des fusées. Peut-être aussi, hein. Peut-être qu'il faudrait que je relance des fusées. J'en suis à combien au niveau des fusées là? Bah, des graines, la chaleur, pression, végétaux, oxygène. Ah ouais, ça faut que j'en mette plus en fait. Hein. 1000. Faut que je fasse des fusées d'épandage de graines en fait. Voilà, voilà. Ça. Fusées d'épandage de graines. Oula, j'ai eu un bug de prononciation. Donc, ok, il me faut. Bah, je vais faire ça, hein. Je vais aussi pousser vers ça. Alors que je fasse des. Comment des mutagènes, voilà, mutagènes. Mutagènes simples et mutagènes un peu plus complexes. Donc des algues. Des algues et puis quoi d'autre ? Des algues et de l'eau, quoi. Ok. Je vais me charger de faire ça. Envoyer quelques fusées. Et toutes les bouteilles d'eau, là. Je regarde un petit peu pour moi. Déjà faire ça. Et puis, il faut que j'aille rechercher les algues. Peut-être que je vais poser d'autres. Ouais, bah oui, parce que là, je vais pas avoir assez pour. Tout ça. Puis là, je crois qu'au niveau de mes algues, c'est pas non plus folichon. Hein. Je l'ai pas forcément bien posé celui-ci là. Ouais, peut-être que je le replace. À chaque fois, il me produit pas beaucoup. Hein. Alors, générateur d'algues. Je pourrais peut-être mettre un autre modèle là, non? T2, ouais, peut-être aussi.
Peut-être que je pourrais mettre un T2. Voilà. Au moins j'aurai une production d'algues beaucoup plus conséquente. Ouais, puis cela c'est pareil. Super bien placé ici. Vraiment quoi là, faut. Il faut du bioplastique aussi. Bon, je vais déjà reposer cela. Voilà, comme ça. Bah, lui, il est vraiment trop près. Hein. Allez, je retire celui-ci aussi. Mettre un peu plus. Voilà, comme ça, là. J'en ai un autre là-bas qui lui est un peu mieux posé. Ça produit que 4 à chaque fois. Bon, je vais m'occuper de mettre des T2. Et comme ça, j'aurai plus d'algues. Bon, en tout cas, le jetpack, c'est la vie sur le jeu. C'est vraiment excellent pour les déplacements. Plus rapide. Voilà. Après, pour ça, il me faut du gaz et du soufre. Je peux encore en faire là? J'ai plus d'eau. Ok. Ça ici. Bon, je vais poser ça ici. C'est vrai que c'est là. Normalement, je peux aller directement chercher mes bouteilles. Petite entrée là au-dessus. Aussi dans le coffre, je vais en garder une pour moi. Ah, j'ai bu la bouteille, j'aurais pu attendre, zut. La petite récolte habituelle. Champignons, voilà. Bon bah je vais continuer ça. Je vais continuer ça. Je vais manger. Voilà. Donc je vais continuer à mettre des générateurs d'Alt-T2. Moi je dois pas avoir assez de bioplastique. Hein. Deux là, ok. Bon, après faut que je refasse un engrais. Super alliage. J'en ai là, ok. Du magnésium, j'en ai plus. Pas enfin, plus beaucoup. Et de l'engrais, il faut deux têtes comme ça. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ici? De l'engrais, bah il faut des algues. Ok. Aubergine. De soufre et des algues. Bah je vais prendre celle-ci. Hein. Voilà. Ah, il faut deux aubergines. Voilà. Et là, théoriquement, je peux poser ça. Bon, bah voilà. J'allais poser ça tout de suite. Est-ce que je peux le mettre là? Ah oui, c'est une beaucoup plus grosse zone. Voilà, je vais mettre ici comme ça. Bah voilà. Ça, c'est posé. Mir. Extracteur de gaz. Ah, sorti une bouteille d'oxygène. Bah, j'aurais pu monter en fait là-haut. Comme ceci. Et là-haut, bon. Hein, vous avez compris quoi. Pas trop, mais. je mets ça ici. Je vais remettre le soufre en place. Ah voilà, bah je vais continuer ma petite terraformation. 7, là je suis à 6 pratiquement, donc le filtre à eau, ça va être bien, ça va être pour la prochaine fois, vous le découvrirez, ça. Et
puis là, le T2 qui n'est pas encore là. Et bien voilà. Écoutez, sur 65% de au niveau des arbres, j'ai hâte qu'ils arrivent. Et là, je suis à 5,94 au niveau de terraformation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Allez, à plus.